Monsieur Dujardin dit que de toute sa vie, jamais il n'avait accepté de présider un jury du festival de cinéma. Et puis est venue cette originale proposition de devenir dictateur du jury du 8e festival du film groenlandais de Toulouse. Et alors, monsieur le dictateur. Nous allons accueillir chaleureusement le dictateur du jury. Merci beaucoup. Comment ça se passe alors ce premier jour, parce que tu as déjà vu quelques films de la compétition? Les amis, Non, mais je suis très heureux. Je suis content. On m'avait prévenu, on m'avait dit il faut que tu aies un foie confit à la fin du séjour. Je pense que ça va être le cas. Ça fait deux heures, mais oui, je vous ai vu les deux là-bas. En tout cas, je suis très content d'être là. Il y a plein de rendez-vous, notamment un gros rendez-vous, a priori, demain soir. Non, c'est samedi à 18h à 30. 18h30, j'y arrive jamais. À quoi, hein? Tu le dis mieux que moi. Ça me loupe mon Instagram. Et 18h30 à Vigry. À quoi? À Port-Vigry. Ok, on sera avec les tarés, avec Benoît Delépine, etc. et tout le monde là-bas. Et ce soir, on est là pour... OSS 117 de Michel Hazanavicius. Voilà. Et on est très heureux que tu présentes ce soir. C'est le premier là. Là, c'est le premier. Le deuxième sera à 22h10 ou 15. Je serai pas là. Normalement, il sera là. Pour quelques questions, normalement, il sera là. Je fasse des pompes. Ok. Putain, vous êtes des sauvages, hein, c'est dur. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Tu poses une question ou pas? Alors, vous voyez que la rencontre avec Michel Hazanavicius, puisqu'après vous avez eu quand même une grande carrière ensemble, que ce soit pour les OSS ou vous y artistes. C'est une très bonne idée de producteur, les OSS 117, parce qu'au départ, c'est des romans de Jean Bruce, des romans de gare, qui avaient été adaptés au cinéma dans les années 60. Et puis, ils ont acheté la franchise, ils ont fait ça, ils ont fait écrire par Jean-François Alain les deux premiers, et ainsi que le troisième, Avni. On tournera tout à l'heure. Voilà. On tournera en novembre. Et ça a été la bonne surprise. Je l'ai lu juste après Brise de Nice. Enfin, même pendant, en fait, pas loin du. Avant le tournage de Brise de Nice. Et tout était là, en fait. Tout était là. Voilà. Vous allez voir le premier, c'était en l'état. Et Michel a adoré ce projet-là. Il sortait de la classe américaine. Il avait fait plein de pubs. Il avait fait un film qui s'appelle Les Amis. Et on s'est très, très bien entendu, évidemment, quoi. Donc le scénariste est toujours sur le troisième film, sur le scénariste, c'est Jean-François Alain, qui était un des auteurs des Guignols avec Benoît Delépine et Gassio à l'époque, les premiers auteurs des Guignols. Et donc il faut savoir que les premières adaptations, enfin en tout cas la série d'espionnage, elle est apparue avant les James Bond. C'était c'était antérieur aux James Bond. Antérieur de quelques années. Ouais, c'est vrai. Je crois même que Sean Connery avait été casté pour les James Bond. Il avait été refusé pour OSS. Ouais. Malin le mec, hein. Il a l'idée creuse, c'est pas un peu de la merde ça? Et il fait James Bond. Ouais. Merci Jean, à tout à l'heure. Non. si, à tout à l'heure, on va voir les coups. Salut, bonne soirée. Merci d'être resté. Là, vous avez vu le 1, donc. C'était cool. Voilà. Oui, un grand. Oui, sympathique. Ouais, très bien. Ouais, ouais. Bonsoir, monsieur Dujardin. Bonsoir. Déjà, c'est un plaisir de vous accueillir ici à Toulouse. Ma question, c'est, j'imagine que vous avez dû passer énormément de temps sur le tournage. Et je voulais savoir si éventuellement vous aviez des anecdotes à nous raconter.
des anecdotes sur le premier tournage. Je crois que ça fait partie vraiment du top 3 de mes meilleurs tournages, quoi, parce que je découvre une écriture, parce qu'on singe Sean Connery dans les premiers James Bond, parce que c'est une entente géniale avec Azanavicius. Maintenant, toutes les petites conneries, qu'est-ce que je pourrais te dire ? Je plonge dans le port de Kenitra, c'est dégueulasse. Je suis sous l'eau, qu'est-ce que je peux te dire ? Non, si, oui, là, une des scènes de tournage de ma vie absolue, quand on te met dans un écrin pareil, c'est Bambino, quoi. Voilà. C'est un Bambino, il te met une caméra là, il te met une là, t'as trois caméras, et il te dit en gros, je coupe pas, et on fait en condition directe. Donc en fait, tu joues, et tu t'amuses, et tu pars, et là, c'est je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs, ouais. C'est fou, hein, quand t'arrives à te sentir aussi libéré, c'est, tu sais que t'es en train de faire une scène qui va forcément laisser des traces, quoi, en toi. Non, ce qui m'amuse, ce qui me fait marrer, c'est que on parle des OSS, c'est que je disais ça tout à l'heure dans une autre salle, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on a présenté OSS à l'homme dans un cinéma à côté de Lille. Il n'y a pas eu un rire. Rien. Et ça, c'est un peu boulant, quoi. C'est un peu flippant parce que tu dis merde, il pige rien. C'est qu'au moment où je suis sous l'eau, je suis en train de défaire mes liens, et il y a une nana dans la salle, je rentre et elle dit oh, c'est pas crédible. Et tu dis oh merde, ça craint parce qu'il pige rien, quoi. Il pige pas du tout. Et je me dis mais c'est spécifique à Lille ou. Et en fait, c'était un peu de notre faute parce qu'on n'avait pas présenté le film, on leur avait pas donné un peu les cartes, et c'est vrai que c'était un peu. J'ai le souvenir de ça, c'est que dans la salle, par exemple, vous êtes là, et dans la salle. Quand les gens regardaient OSS, c'était des vannes un peu brûlantes. C'est-à-dire quand tu vas casser la gueule à un musine, tu fais je rigole pas. Et les gens s'interrogeaient un peu du regard, se regardaient entre eux en se disant est-ce que toi tu te marres ? Parce que moi j'ai envie de me marrer. Et ils se demandaient s'il fallait se marrer, quoi. Et ça, c'était pas gagné. Mais une fois que ça a été le cas, alors là, c'est génial parce que pour le coup, la traînée elle est faite et derrière tu fais OSS 2 et tu vas et tu peux y aller à fond, quoi. Mais bon, c'est pas simple, c'est des vannes un peu brûlantes, c'est compliqué. Faut-il encore avoir le talent de Jean-François Alain à l'écriture et le talent de Azanavicius à la mise en scène. Bonsoir. Il y a vraiment, je pense, on est tous d'accord, beaucoup de très bonnes répliques, très drôles dans le film. Et je pense que le premier rire vient de votre rire. Est-ce que vous pourriez nous le refaire dans le film ? C'est vraiment excellent. Si vous voulez des anecdotes, mais je te vois. Hein. Ce premier rire, il vient d'un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec Paul Newman dans L'Arnaque, avec Redford. Et Paul Newman qui fait à un moment une partie de poker dans le train, il se fout de la gueule de son partenaire et il fait. Et j'ai totalement volé ce rire-là parce qu'il m'a tellement fait rire toute ma jeunesse. Je me suis dit, c'est un rire de moqueur, c'est un rire de connard. Et il est venu, enfin, je ne l'ai pas réfléchi, mais il est venu spontanément. Mais tu vois, tu le reconvoques, il est là. J'espère que j'arriverai à le refaire pour le prochain. Waouh ! Pas mal, le mec déguisé, ça y va. Le mec assume tout. Ah ben, où est-ce que c'est le boule-boule ? On fait bien, il raconte nous. Et l'olé, où est-ce que c'est le boule ? Mais elle te passe, il y a le baloule. Salut Jean. L'idée c'était de savoir, est-ce que tu sais faire du wood ? Non. Du coup, je te proposais de refaire la scène. Ouais, t'es gentil. J'ai le chapeau. Mais du coup, si tu sais pas en faire, je sais pas. Mais c'est moi qui vais te faire péter la honte, c'est toi qui vas venir ici. Je vais pas te laisser dans la merde, je vais te faire un bon collègue, je vais faire le playback. Là, je suis sympa. Toi, tu te mets au milieu. Je parle pas vraiment arabe. C'est quoi, tu l'as fait comment ? C'est du papier mâché, je suis pas sûr que ça marche très bien. C'est du papier mâché, ok. Alors, tu te mets là, tu te remets en condition, t'es un espion, tu sens que l'Armina te regarde, tu chopes une Armina, tu vois. C'est ta meuf, ok. Ok.
Ok. Et tu la regardes, tu la regardes, tu regardes, on prend le temps. Aïdé kebker, galbek hadin, melek hazin, meljek chez nous, melek kelion, ou moins. Plus malin, t'as la caméra, tu prends ton temps, plus malin, moins, vas-y. Aïdé ملجك شنو مولي مولي بحبوم راك بين الناس تمشي في شارع حواس وكل لا مدام ببا تستنى حابب بس بس يا البولبول بامينو بامينو وفي بيري راك بدوم بامينو كيلو لي ولد معبول بامينو ما زدت بس يا المعلول تلعب مزيان بلا ماندولين يا ولدي بامبينو واكب احيا الدنيل راني بصوت حنين يا ولدي بامبينو ترمي ورحت منها بابو sympa quand même. Bonsoir. Oui. Je voulais savoir, du coup, vous avez parlé du talent de mise en scène de Michel Zanavicius. Qu'est-ce que vous pensez du coup du changement de réalisateur pour le troisième volet? Écoute, petit connard, t'avais 10 ans à l'époque. Je te déçue. Dédicace. Je disais qu'en fait, comment ça s'est passé? Évidemment, c'est un sujet. T'as raison, c'est un sujet. Zanavicius qui se barre, qui veut pas le faire. Il veut pas le faire pour plein de raisons, parce qu'il a envie de faire d'autres choses. C'est son avis, et vous lui demanderez quand il viendra. Il y a un moment un truc qui s'appelle OSS3, qui est une idée de producteur, qui est écrit par Jean-François Alain, et à un moment les producteurs déclenchent l'envie de faire le troisième. Ils lancent donc en fabrication, en écriture, le troisième OSS. Le troisième OSS arrive, je le lis, je dis ok, c'est en place, il y a des trucs, pourquoi pas, ok, j'attends, j'essaie d'en parler à Zanavicius. Michel a envie de faire autre chose, c'est son choix, bon c'est compliqué, ils s'entendent pas, ok, exit, c'est pas à moi de décider. Donc qu'est-ce que je fais? Ou je le fais pas du tout, et je me marre pas, jamais, je le laisse, et je reste avec mon petit culte de branlette, et je dis ok, j'ai fait les deux OSS, c'est génial, et toute ma vie je vais être avec ce truc-là, ou je prends un moment un tout petit peu des risques, et surtout je prends du plaisir, parce que c'est le seul truc qui me guide, je dis ok, j'y retourne, mais avec qui? Et ça prend du temps. Et à un moment, il y a des mecs qui s'appellent donc Jean-François Alain qui écrit, et qui réécrivent, et qui continuent à écrire, et je rencontre un mec comme Nicolas Bedos, que je connais depuis très longtemps aussi, qui lit et qui est le plus pertinent dans sa lecture. Donc à un moment, qu'est-ce que je fais? Je dis, putain, il y a du talent là, j'ai une envie, moi je fais quoi? Et la décision, à un moment, elle m'appartient et je dis, j'y retourne. Voilà, j'y retourne et j'ai envie d'y aller. Mais, la franchise n'a pas été inventée par Michel, avec autant de talent qu'il a, évidemment, j'étais le premier à le regretter. Mais j'ai pas envie de m'arrêter là. On peut pas gourouiser un film à ce point-là. Je veux continuer, je veux m'amuser. S'il a plus envie de s'amuser, s'il veut plus faire ça, c'est son problème. Et moi, j'ai envie de m'amuser. Mais c'est évidemment un travail collectif, c'est un travail horizontal entre des producteurs, un auteur, un acteur et un réalisateur. Et j'espère ne pas vous décevoir. Voilà. Je blague en disant, petit connard, t'avais 10 ans, mais en même temps, c'est vrai qu'à l'époque, une fois de plus, ça se marrait pas du tout. C'est-à-dire que le culte, il était pas là du tout. Genre, vraiment, on partait de vachement loin, quoi. Même les conneries de, bonjour Lafarge, bonjour Fournier, bonjour, c'est pas des trucs qui étaient acquis, quoi. C'est des trucs qui ont été balancés depuis 10 ans, et maintenant, quand j'ai un jeune qui me fait, putain, il y a pas assez de sus, mais c'est la merde, je dis, attends, calme-toi, laisse-nous travailler. Ça t'inquiétait pas à l'époque, je vois pas pourquoi ça t'inquiéterait maintenant. Laisse-nous faire les trucs, quoi. Et c'est ça, en fait, c'est un truc qui est super français, c'est qu'avant même de faire les choses, la nouveauté appelle toujours la critique. Laissez-nous faire un truc, on n'est pas des glands, moi je suis spectateur de ce putain de film, j'ai pas du tout envie de faire de la merde, donc je vais vous présenter quelque chose de correct, et ça fait des mois qu'on travaille dessus, et je veux dire que Bedos, il est au taquet, mais alors... Et vous avez vu le talent qu'il a en plus.
et vous savez, avec Adelman et son prochain film, La Belle Époque. Bonsoir Jean. Par rapport au rôle que tu joues dans SS 117, que tu joues super bien, on s'en souvient d'un gars et une fille, à un moment, t'avais interprété James Bond. C'est savoir si vraiment, depuis tout petit, tu voulais jouer un rôle comme ça, et si au SS 117, ça t'était pas présenté, est-ce que tu l'aurais écrit toi-même? Je crois pas. Réalisé? Non, j'aurais jamais. Moi, je suis pas auteur, je sais pas écrire comme ça. Enfin, franchement, je sais pas comment fait Jean-François Alain, d'ailleurs, comment ça se déclenche, parce que... Vous l'avez vu, Jean-François Alain? Vous savez à quoi il ressemble? Très peu de gens savent comment, à quoi ressemble ce mec. Allez voir Jean-François Alain. C'est un petit mec à lunettes qui balance des horreurs. Qui est le mec le plus drôle de la Terre, mais vraiment, quoi. Qui est très très drôle. Et c'est très compliqué, c'est très dur d'écrire les OSS, quoi. Et il a inventé ce truc-là. J'aurais jamais eu ni l'idée, ni le talent pour faire ça, quoi. Mais peut-être, dans mes fantasmes, quand on a conçu le premier OSS avec Jean-François, enfin avec Jean-François Alain et Michel, la première des références, ça a été les voix françaises de Sean Connery. Ça a été les voix françaises que je regardais dans les années, voilà, dans les années 80. Je regardais les James Bond en voix française et je m'amusais à singer les voix françaises. Donc j'ai toujours eu, et dans la classe américaine, que vous connaissez, de Hazanavicius, il y a aussi ce truc-là. Donc je me suis beaucoup amusé à faire des... Ah, mais je vous en prie. Bonsoir. Et bonsoir. Vous avez parlé du troisième film, et du coup, est-ce que vous auriez quelques premières informations à nous partager? Alors, je peux vous balancer les informations qui sont sorties. Je pourrais vous balancer, j'ai plein de scoops, j'ai plein de trucs à vous dire, j'adorerais vous le dire, là, putain. S'il n'y avait pas ce petit bonhomme avec sa caméra ridicule à côté. Mais là, je ne peux pas. Mais le prochain s'appelle... Le prochain se passe en Suisse. Pas du tout. Le prochain se passe en Afrique, s'appelle Alerte Rouge en Afrique Noire. Se passe dans les années 80, 81 sous Giscard. Nous avons donc le regretté Belmar, donc évidemment qui est remplacé par Vladimir Yordanov, que vous avez déjà vu dans des films dans plein de films, qui est très drôle. Il y a un jeune agent avec moi aussi, un jeune agent secret, jeune génération d'acteurs. Il y a voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Le nom du gars? Ben, va te faire foutre. Je te dirai pas. Oh, j'ai envie de le dire. Je te dirai à toi tout à l'heure. Voilà, donc en fait c'est un saut dans le temps, puisque le deuxième il était en 65, 67, je pense comme ça. Là on est en 80, donc c'est le passage de Giscard d'Estaing à Mitterrand. Donc les cocos au pouvoir. Faut pas rester là. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, je voulais savoir quel était votre secret pour avoir des sourcils aussi souples et musclés. J'en sais rien. Je sais pas du tout. Un petit conseil. Ils sont totalement indépendants, ils font ce qu'ils veulent, je ne dirige pas. Non, je sais qu'il y en a un qui est plus mobile que l'autre, par exemple. C'est-à-dire que c'est mieux, tu vois, si je suis filmé pour les OSS, c'est mieux de ce côté-là, par exemple. Sinon, celui-là, il se lève un peu moins. Voilà, c'est un petit truc que je te donne. On va te faire la soirée. Mais... En fait, c'est pareil, c'est des trucs de Sean Connery. Enfin, tu regardes bien Sean Connery, vous êtes jeune, mais tu regardes les James Bond de Sean Connery, il n'arrête pas, quoi. Il fait que des trucs comme ça. C'est des pauses, quoi. Des pauses de beau gosse. Bonsoir, monsieur Dujardin. Une petite question, s'il vous plaît. Et comment est votre bonne banquette? Ah oui, elle est froide. Elle est bonne. La banquette est bonne. C'est con ce truc, je vous appuie ça. Vous êtes pas difficile quand même, hein? Comment est votre blanquette? Merci beaucoup Jean Dujardin. Mais merci à vous mon petit vieux. Merci d'être venu. Merci beaucoup.